Ah mais Jean-Pierre, il est où? Est-ce que quelqu'un peut chanter? Finale de Monaco. Attention. Attention, voilà, parfait. Bonsoir, bonjour plutôt, excusez-moi, j'ai pas tellement l'habitude de jouer dans la journée en fait, c'est pour ça que je suis décalée. Bonjour Tresse. Bonjour. Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous aujourd'hui, messieurs, dames. Pour commencer notre petite intervention musicale, nous allons commencer par lire des textes qui ont été écrits la semaine dernière lors d'un atelier d'écriture à la médiathèque de Tresse. Donc on voudrait remercier tous les gens qui ont participé à l'atelier d'écriture. Il y avait des enfants aussi, parce que j'ai envoyé des textes d'enfants, donc merci aussi aux enfants d'avoir participé à cet atelier. Merci à Pauline et Marie-Christine de la médiathèque de Tresse d'avoir mis en place cet atelier. Et qui amène un élan culturel dans ces vies de grenier. On va aussi remercier la mairie de nous prêter le matériel, d'offrir le logo, de mettre à disposition un espace pour faire du bazar dans ce big bazar du vide-grenier. Donc je vais commencer par vous lire les textes qui ont été écrits par les personnes qui ont participé donc à l'atelier de la médiathèque. Alors je lirai peut-être pas tout parce que certains sont très très longs. Et si des gens qui ont écrit ces textes se trouvent là dans le public et tout ça, j'aimerais bien qu'à l'occasion, après le concert, on se rencontre et on parle un petit peu. Voilà, parce que j'aimerais bien savoir c'est qui les gens qui ont écrit ces textes qui m'ont été envoyés de façon anonyme. Le premier texte s'appelle « La gare quand la mobilité se fige ». J'arrive à la gare avec ma valise à roulettes et je croise un flot continu de valises à roulettes, des rapides, des lentes, des bruyantes, des silencieuses. Certaines sont portées sur le dos par la poignée, lourdes, légères, mais là où tout le monde est à égalité, c'est dans l'escalier. Ah non, car là, c'est le voyageur qui est au premier plan, car sa façon de porter sa valise le personnifie. Il suscite diverses pensées, la rapidité, l'entraide, l'agressivité, la politesse, l'impatience. Enfin, j'arrive sur le quai, je monte dans le train, je m'assois côté vitre et dans le sens du voyage, et j'attends. Ça défile dans le couloir et les valises se hissent au-dessus des têtes. Mon voisin est plongé dans son journal, mes voisines papotent. Je sors mon livre. Ça y est. Le train démarre doucement, laissant le train d'à côté sur place. Eh bien non, c'est le contraire. C'est le train d'à côté qui est parti. Et moi, pour l'attente. Voilà à peine 5 minutes que je suis assise sur ce banc, je suis à la gare et je l'attends avec impatience. Je suis tellement impatiente que le temps me semble rallongé. Tout se bouscule autour de moi, les trains défilent, déversant un flot de passagers. Les gens se retrouvent, se séparent, rient, pleurent, parlent, crient. Le marchand ambulant ne sait plus où donner de la tête. Café, croissant, moi je veux une chocolatine, dit une femme. Je suis statufiée sur ce banc, ma tête se tourne, 5 minutes c'est tout. 5 minutes c'est tout. 5 minutes. Une dame s'assoit à côté de moi, mon bébé pleure. Elle ne me voit pas, je fais partie du décor invisible. Et si elle ne me trouvait pas? Mon regard se tourne, une appréhension, une sensation, une voix, elle est là. Le fait d'être invisible se dissipe, tout ralentit, les gens disparaissent, le marchand ambulant n'est plus là. Je peux à nouveau bouger pour la retrouver, me lever et la prendre dans mes bras, puis... La montre reprend son rythme, puis les gens reviennent, le marchand aussi, tout est bien, elle me voit, j'existe. Merci pour cette personne qui a écrit ce texte, s'il vous plaît. Un autre extrait d'un texte qui s'appelle « Clic-clac, photo-voyage, photo d'un ou d'une, photo-cérémonie, rentrée ». Ça, c'est le titre.
Mon fiancé, amoureux, souriant, beau, aimé, gentil, attentionné, marrant, voire même clown, attentif et serein. Le cœur qui bat de joie, il nous guide chaque jour, le cœur des hommes, le cœur des hommes. Une, mais elles sont deux. L'une est blonde, l'autre aussi. L'une est ma sœur, l'autre aussi. J'en aime une plus que l'autre, car une est moins ma sœur que l'autre. Une famille. Qu'y a-t-il de plus vrai, de plus solide, de plus grand ? Moi. Majestueux, impressionnant, 500 ans, il trône devant ce petit resto si majestueux et à ses pieds un petit tronc où s'asseoir et rêver. Je suis le chêne de Baron, un hibou ou une chouette, une grosse bête sur la branche devant ma fenêtre, plein de plumes ou plein de poils. Non, ce n'est pas un chat, je fais un bruit. Madame tourne la tête et me regarde. Mon fils qui a disparu depuis 7 jours, doux, souriant, spontané, ouvert, aimable, que je vois plus qu'en souvenir. Des rentrées scolaires, j'en suis à ma trentaine. L'été est fini, tout le monde est là. Les tenues sont encore estivales, les pieds encore à l'aise, le teint bronzé. Et quoi de neuf ? Rien chez les adultes. The same old song. Il faut attendre la rentrée, la vraie rentrée, celle avec les élèves, beaucoup plus vivante, beaucoup plus surprenante. S'il vous plaît. Un autre texte de je ne sais donc toujours pas qui s'appelle « Par la fenêtre défile mes souvenirs ». Par la fenêtre de mes souvenirs me reste gravé mon premier coiffeur. Il s'appelait Madame et Monsieur Rampignon et travaillait en couple sans eau courante dans le balcon, dans le salon. Par la fenêtre de mes souvenirs reste gravée la douleur de ma première rencontre avec un insecte, la piqûre de la guêpe. Aïe, 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 aïe. Par la fenêtre de mes souvenirs reste gravé un accident. Une hache sur le capot de la voiture. Spectaculaire, mais pas de mal, ni à la vache, ni au passager. Ah, c'était une vache, il manquait un V. J'imaginais la hache sur le capot, j'ai eu un truc horrible. Non, ce n'était qu'une vache et non pas une hache. Ouf. Et en plus, ça finit bien, puisque la vache n'a rien, et visiblement le monsieur non plus, ou la dame. Par la fenêtre de mes souvenirs, elle était là, je l'ai connue de suite. C'était elle, et pas une autre. Un choc, un coup de foudre pour une maison. Pourtant, elle était sévère, sombre à l'intérieur et finalement peu à mon goût. Saurait-elle m'accueillir ? Saurais-je m'adapter ? Chacun a dû s'en accommoder. Par la fenêtre de mes souvenirs, je ressens les frissons et le plaisir de sa bouche sur ma bouche, de sa langue dans ma bouche, de ses caresses sur mes seins. Par la fenêtre de mes souvenirs, je donnerai des milliers de pièces d'or. Je donnerai ma vie, ma virginité, mon corps, mon âme pour le retrouver. Lui, il m'a tout pris. Lui, il est parti par la fenêtre de mes souvenirs. Je me revois à sa recherche au volant de ma première voiture bleue. Elle était bleue pétrole, bleue comme mon âme. Et j'étais triste, triste comme un blues californien. Alors je crois qu'on ne m'a pas imprimé les poèmes des enfants. Eh bien les enfants, je serai obligée de revenir à Tresse pour faire un deuxième concert pour lire les poèmes des enfants. Ça sera avec grand plaisir, sans doute, après le concert. Voilà, donc c'était les textes qui ont été écrits par les gens qui ont participé à l'atelier de la médiathèque. Sans doute ils seront en ligne par là si vous voulez les consulter. Et bienvenue à bord de ce concert. Faut les encourager hein, parce qu'ils sont allants et tout. C'est le meilleur en sommeil. Donc bonjour, rebonjour messieurs, dames. Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre, OPA, tout en improvisation pour vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille, comment on fonctionne, pour que vous compreniez à quoi vous allez assister dans tout de suite maintenant. Ça a déjà commencé en fait.
Le principe d'OPA, donc, c'est qu'on ne fait jamais de répétition, nous ne faisons que des concerts. Depuis maintenant à peu près 7 ans, on est en, comme ça, en libre cours, avec des musiciens qui changent assez régulièrement et des formations tout à fait différentes, allant d'une formation simple duo guitare chant par exemple, à une formation comme vous voyez aujourd'hui qui est beaucoup plus électrique disons. On peut rajouter des instruments, on peut en enlever, en fait tout cela se fait au gré des rencontres. Certains musiciens ne viennent qu'une fois puis ils ne reviennent plus, certains sont là depuis très longtemps, enfin tout ça dure depuis 7 ans. Voilà, donc tout ce que vous allez entendre là n'a jamais existé pour l'instant. Il n'existera que parce que vous l'écoutez, donc c'est vraiment un échange avec vous aussi, bien sûr. On espère que ça va bien se passer. Détendez-vous, c'est dimanche, il fait beau. Et voilà, bienvenue à bord de l'orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation pour vous servir, messieurs dames. La poésie n'est pas ce qui dorlote l'âme. Elle prend là, aux tripes, pour les tordre, les nouer, pour les dénouer, pour les déposer plus loin, pour les soustraire, les arracher de l'ombre. Fondant et confondant nos sens, mêlant à l'univers nos particules éphémères, reliant l'un à l'autre, l'autre à l'un, liant, déliant, désarmant le malheur têtu, armant le bonheur têtu, vêtant de soie la soie des peaux à lisser, à glisser contre d'autres peaux. La poésie n'est pas ce qui dorlote l'âme. Avec le sacré, désacralisant les nœuds au fond de la gorge, au fond du ventre, au fond du cœur, les nœuds à desserrer. La poésie n'est pas ce qui dorlote l'âme. Relevant la tête, relevant les défis, relevant les erreurs, révélant les horreurs, triant dans les décombres, fouillant dans les combles au comble de la barbarie. La poésie n'est pas ce qui dorlote l'âme. Cherchant les nouveaux mondes, les mondes neufs où éclore, où clore les chapitres, où tourner la page, trouvant dans l'égout le goût de l'ego, trouvant dans l'égout le goût de l'ego, trouvant dans l'égout l'écho sain où s'épanouit l'espoir. La poésie n'est pas ce qui dorlote l'âme. Trouvant dans l'égout l'écho sain où s'épanouit l'espoir, où se fonde l'espoir, où se garde l'espoir, où se poursuit l'espoir, où s'écrit l'espoir, où se dit l'espoir, où se crie dans la marge, dans la rage, dans la furie, où se crie l'espoir. La poésie est là. Dépouillé. Ainsi,
forteresse, car ils avaient fait des rêves. Ils avaient les mains calleuses et le regard qui portait loin. Mon père, voyez nos assiettes pleines, nos souliers neufs. Vous voyez nos assiettes pleines et nos dimanches ensoleillés. Et sans fatigue, nos pères, dans la logique de la descendance. Nos assiettes pleines.
parce qu'on a oublié de vous dire, l'amour pour nous c'est quand même un petit peu la base de tout. C'est pour ça qu'on aime bien se déplacer dans des endroits comme ça où il y a des enfants. Ouais. Merci les enfants. Merci les enfants, vous êtes trop beaux. C'est pour vous qu'on est là. Et motivés. Tout en improvisation pour vous. Alors attention, je vais désigner un musicien qui normalement va faire une proposition sur laquelle on va partir. Alors lequel vous voulez? Yasmine. Yasmine, c'est tombé sur toi, pas de bol. Ah Yasmine, c'est un bosnien qui fait de la basse. On est multiculturel aussi, c'est comme ça, c'est plus pratique. Hop, 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 hop. Alors un bosnien qui fait de la basse. Reggae. Ah ouais, donc vous allez voir, ça va aller, ça va aller. Détendez-vous, ça va bien se passer. Un reggae arabisant.
ces pauvres gens, ça coûte cher. C'est que tous ces pauvres gens, ça coûte cher. Sors ta bourse, compagnon. Il n'y a pas d'argent, mais il y a toujours d'argent pour acheter des canons. Alors quand même, ça me pose question, c'est tout. Alors, donc Yasmine a fait la basse pour vous, tout le long du morceau bien sûr, mais c'est lui qui a lancé l'idée. Donc maintenant je vous propose un vrai rocker, hein. Il doit se droguer, il met des lunettes noires tout le temps, je sais pas, il y a un truc, j'ai jamais vu ses yeux. Vincent à la guitare électrique. Thank you.
Commune. 1871, la Commune de Paris nous appelle. La Commune de Paris nous rappelle la libre Commune de Saint-Michel. Frères et sœurs de la libre Commune, frères et sœurs de la libre Commune de Saint-Michel, frères et sœurs. Le roi est nu. Le roi, le roi, le roi.
as vu le roi, il nu. Il ne veut ni ne peut, alors n'attends pas. Étends-toi, détends-toi, étends-toi et regarde. C'est fou comme on se ressemble, non? C'est fou.
et du courage, il en faudra. Car tout semble une seule époque. Il en faudra du courage. Il en faudra. Car tout s'embrunit, tout s'embrunit, c'est l'époque. Quelle drôle d'époque. Il en faudra du courage. Moi j'avais 9 ans, 80, toi, toi, on semblait arriver quelque part, bon, mais 30 ans plus tard, il semble qu'on est arrivé. Le mur est toujours là, vous voyez. Et dans certaines pays, c'est ça, oui. Donc il va falloir du courage. Beaucoup. Et c'est maintenant. Parce que ça s'embrunit très très vite quand même. Ça s'embrunit très très vite. Il faut vite, vite balancer des kilos d'amour, la famille. Des kilos d'amour, la famille. À fond. Xavier, est-ce que tu veux montrer aux gens comme tu es un guitariste talentueux? Xavier à la guitare, s'il vous plaît, laissez dire merci pour lui. Nous avons divagué dans des zones floues, nous avons divagué.
questions, on riait, on était curieux, on était ébloui du monde. Et tout nous semblait incroyable. Tout ce temps, tout le monde, tout ce temps, tout nous restait à vivre. Et tout ce temps, tout le monde, tout ce temps, tout nous restait. Tout ce temps, tout le monde, tout nous restait à vivre. Tout ce temps. Avec votre chien. Madame, s'il vous plaît. Merci à vous tous, à vous tous de prendre ce temps pour nous écouter, pour partager des énergies qui, j'espère, seront positives quand vous allez rentrer chez vous, vous dire « Ouais, c'est vrai que ça sent brumi quand même, grave, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. » Ah, ça c'est quand même la bonne nouvelle, et même il semblerait qu'on soit plus nombreux, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, peut-être que en se souvenant donc, comme je disais au début du concert, de nos pères et en pensant à nos enfants, il y a quand même peut-être moyen qu'on se dise que bon, il y en a qu'un marre quand même qu'on nous prenne pour des imbéciles et qu'il va falloir qu'on fasse autrement. Voilà, parce que vous êtes beaux, tous. Vous avez vu tous ces gosses là? Là, il y en a plein là-bas, regarde dans le coin là. Il y en a plein, ils se cachent. À la moissonneuse et batteuse, je vous demande de faire une ovation. À Max, la menace.
je vais en prendre une autre. Dormez-vous, ou bien faites-vous semblant. Dormez-vous, dormez-vous. On ne vous a pas prévenu, mais le voyage devrait durer quelque temps. Oui, quelque temps. On ne vous a pas prévenu, mais le voyage devrait durer quelque temps. On s'appelle Opéa, n'oubliez pas, on repassera, merci la famille. Détendez-vous, l'air conditionné vous assure une température de 25 degrés. Détendez-vous, détendez-vous, la température est actuellement de 25 degrés. Perturbé. Nous espérons que le voyage ne sera pas trop perturbé. Voici néanmoins quelques consignes à respecter en cas de coup dur. Voici néanmoins quelques consignes à respecter en cas de coup dur. Vous trouverez sous votre siège le gilet de sauvetage complètement inefficace en cas de crash. Vous trouverez sous vos fauteuils le gilet de sauvetage complètement inefficace en cas de crash. Au-dessus de vous, les masques à oxygène, totalement inutiles en cas d'éjection subite. Au-dessus de vous, les masques à oxygène complètement inutiles. À votre droite, les rations de survie, inutilisables lors d'une explosion soudaine et fracassante. À votre droite, les rations de survie, complètement inutiles. Gauche, les issues de secours qu'il est fortement de ne pas utiliser à l'altitude que risque d'atteindre l'appareil dans lequel vous venez de prendre place. Les issues de secours, ne pas les utiliser, les issues de secours. Faites-vous semblant. Dormez-vous, dormez-vous. Dormez-vous, ou bien faites-vous semblant. Dormez-vous. Alors on répète. À votre droite, les rations de survie ne servent à rien. À votre gauche, les issues de secours sont bouchées. En face, les masques à oxygène, vous pouvez les oublier. On répète. Sur votre droite, les rations de survie sont inutilisables. Sur votre gauche, les issues de secours sont bouchées. En face, les masques à oxygène ne servent à rien. Car le masque à oxygène, c'est vous. Les issues de secours, c'est vous. Les rations de survie, c'est nous, les masques à oxygène. Car le masque à oxygène, c'est toi. Mon issue de secours, c'est toi. Ma ration de survie, ma sista, c'est toi. Et toi aussi, les issues de secours, c'est toi. Les issues de secours, c'est toi. Les issues de secours, c'est nous.
nous les issues de secours. On répète, c'est 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 nous les issues de secours. À bientôt, c'est nous les issues de secours. Un petit peu, dites le plus fort hein, parce que sinon non, je vous explique, on enregistre et tout, c'est filmé, c'est pour YouTube. Ça vous dérange si je montre vos têtes à nos fans? On a 50 fans à peu près sur YouTube. Est-ce que juste pour montrer comment vous êtes beaux, je fais un petit plan du public, ça vous dérange pas? Regardez comme ils sont beaux à tresse. Ouh, ils sont super beaux. Ouais, super, merci. Super, super. Et ça, c'est la famille, bien sûr. C'est déplacé. Comme on n'était pas sûr qu'il y ait du monde, on a dit quand même à 2-3 potes de passer. Vous voyez, ils le prenaient pas mal, hein, mais c'était juste comme ça. Du coup, quelqu'un peut vérifier si c'est bien... Ouais. Ça me rappelle quelque chose, c'est pas moi. De nouveau, oui, c'est le tout bénite, le vent.
a dispersé les cendres de Bendit et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume, mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume et piochant l'évasion d'un rossignol titan capable d'assurer le sacre du printemps. C'est tant si je l'avoue. Chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couvre un Ivan Stravinsky. Mais Paris, Et moi l'oiseau forçat,
sort d'un marbre croûteur vers mon ciel d'une dent. J'ai replongé ma route le long d'une même grande dent sur le dos de ces murs, aspiré tout au bout par un goulot d'azur. Là-bas brille la paix, la rencontre des pôles et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Gazouiller les pinceaux a soulevé le jour et nos autres grinçons pour le vide de l'amour. Gazouiller les pinceaux a soulevé le jour et nos autres grinçons pour le vide de l'amour. Pour le vide de l'amour. Paris, mais Paris. Paris, mais Paris. Paris, mais Paris. Pour le vide de l'amour. Un texte de Claude Nougaro. Il est jamais bien loin, Masson. Il a dit des choses tellement belles qu'il est toujours tout près avec nous partout. Il y a des fleurs, il est toujours là. Voyez. Et il est aussi là. Mais... Claude Nougaro. Je vous demande de faire un gros compliqué à ma Jean-Pierre qui nous fait le son, s'il vous plaît. Lève-toi, Jean-Pierre. We'll be right back.
neige et des boulevards longs. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige.
Italie, qui a été chantée par Serge Reggiani, ce qui nous permet de faire un double hommage en une chanson. Voilà, c'est pratique, hein, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, mais quoi, voilà, c'est toujours pareil, en fait, ça s'embrunit, c'est l'époque, et à la fin, tata, l'amour. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à creuser, hein, je sais pas, moi. Ils ont l'air tous d'accord au moins sur ça. Je relance l'idée. Aimons-nous vivants. Ton film, j'avais oublié. Maxime, donc c'est ce, le quand il va se lever de la batterie, vous allez vous rendre compte, il fait à peu près comme ça et à peu près comme ça. Donc il paraît qu'il a une idée. Donc, car ici c'est tout en improvisation, pas de répétition. Tout se fait en direct, messieurs dames. OPA. Comme une utopie, l'autre versant possible.
possible, faisant miroiter comme une utopie l'autre versant possible. L'autre versant possible. Nous nous éveillâmes soudain dans un monde où régnait en maître la terreur et la barbarie. Au début, nous avions du mal à comprendre et à vrai dire, nous n'en croyons même pas nos oreilles. Puis les premières clameurs se sont élevées, cueillant sur leur passage la moindre fleur d'espoir. Puis les premières clameurs se sont élevées, cueillant sur leur passage la moindre fleur d'espoir. Partout on construisait des oranges écoles, on contemplait l'espace partout, partout. Partout on construisait maisons, granges, écoles. Partout, 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 partout on construisait maisons, écoles, granges, on construisait. Réfléchissant, écoutant, tentant, riant, voulant, réfléchissant, écoutant, tentant, riant, voulant. Et les femmes s'en parurent accoucher de futures empreintes. Les femmes s'en parurent accoucher de futures empreintes. Un bonheur courait de par le vaste monde. Un bonheur courait de par le vaste monde. Le bonheur courait de par le vaste monde. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Bien accroché au voyage, tranquille, super, bon. On va pas s'arrêter tout de suite, on va encore en faire une petite. Thank you.
notre terre, de Palestine, de Hébron, jusqu'à Jénine, un mur pour nos lamentations. Un mur pour nos lamentations. Pas de Roméo, pas de Juliette, pas de balcon sous nos fenêtres, même pas envie de connaître le maître d'œuvre et le maçon. Je me souviens, c'était hier, j'aurais bien partagé ma terre. J'ai tendu la main à des frères qui me l'ont coupé sans raison. Qui me l'ont coupé sans raison. Et où que se posent mes yeux, les checkpoints. Et où que se posent mes yeux, les checkpoints. Et où que se posent mes yeux, les checkpoints. Et où que se posent mes yeux, les checkpoints, les checkpoints. Thank you.
ce mur soit une chose virtuelle, que je ne parlerai que dans cette chanson. Mais renseignez-vous, messieurs dames, renseignez-vous. As-tu ce qui nous dessine sur notre terre de Palestine, de Hébron jusqu'à Jénine? Et nous allons dédier cette chanson aux anarchistes israéliens qui luttent contre le mur. Une dédicace à vos camarades dans votre propre pays, résistants, éveillés, les anarchistes israéliens qui luttent contre le mur. Dédicace. D'avant-guerre essentiellement basé à Bordeaux. On existe maintenant donc depuis une quinzaine d'années. On a fait quasiment du théâtre pendant 7 ans et depuis 7 ans maintenant on fait de la musique, mais de temps en temps on fait quand même du théâtre. Je parle. Putain, c'est dingue ça, gars. C'est moi le chef. C'est pour ça que c'est moi qui ai le micro, tout ça. Donc, quoi vous dire de plus? Si ça vous a plu ce qu'on a fait, par exemple, oh, c'est quand même pas mal, je trouve que ça m'intéresse, comment je peux les retrouver? Internet quoi, Google, moteur capitaliste de recherche ou un autre moteur de recherche si vous préférez, ou PA33. Normalement vous arrivez directement sur notre site internet qu'on a fait nous-mêmes avec nos petites mains. Sur ce site internet, il y a déjà une quinzaine d'albums, je pense, qui sont en libre téléchargement. Parce que tout ce qu'on fait, c'est sous copyleft. Ça veut dire que vous pouvez le diffuser, le copier, le modifier, le faire ce que vous voulez avec, écrire sur les murs, les crier la nuit de, les nuits de pleine lune. Nu sur une dune. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez avec ça, sauf le vendre, parce que nous-mêmes on le vend pas. Voilà, tout ça c'est assez gratuit. Il y a des pièces de théâtre, des recueils, tout ça téléchargé. Et le concert d'aujourd'hui sera sans doute en ligne prochainement sur notre YouTube, où il y a déjà pareil une centaine de vidéos. Si vous savez y faire en informatique, vous devez pouvoir télécharger ça très facilement.
Et puis on envoie aussi une newsletter une fois par mois aux gens pour leur dire salut, voilà ce qu'on fait, et puis surtout envoyer ce qu'on appelle des informations alternatives, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas diffusées sur TF1, France 2, etc. Qu'on passe tout notre mois à les piocher sur des sites des copains qui envoient des informations dites alternatives. Attention, vous risquez d'être fiché, allez vous dites tout de suite. Là, en plus j'ai montré vos têtes sur YouTube, c'est pas la joie, on vous a dit que ça s'embrunit, hein. C'est pas parce que le changement c'est maintenant, c'est pas vrai. Hein. Vous avez tous fiché, là, tous. Et moi d'abord. Mais c'est pas grave, puisqu'on parle d'amour, si ça fait peur, c'est quand même ça presse la solidarité. Hein. Voilà, donc la newsletter, c'est une fois par mois, si vous voulez la recevoir, vous allez sur le site, il y a un truc très simple pour vous inscrire, et c'est avec joie qu'on vous donnera de nos nouvelles. Donc on espère que ce concert vous a plu. En tout cas, merci à vous d'être venus nous écouter. Merci à tous ceux qui sont passés, il y a des gens qui sont partis entre temps et tout ça, mais avec qui on aurait bien fait un bisou, parce qu'après on peut se voir en vrai, on est tout prêt, t'as vu, on fait câlin et tout, en vrai. Voilà, donc merci, gardez la patate, n'oubliez pas que vous êtes des belles personnes, que vous avez des choses en vous là à nous donner à tous pour qu'on puisse essayer d'aller vers un monde un peu plus soft pour des gens comme elle, ou comme le petit là avec la casquette. Ou comme les fans de Spider-Man comme moi, voyez. Voilà, alors gardez la patate, vous êtes des belles personnes, merci. Mathias, s'il vous plaît, messieurs, dames. Yasmine, Jean-Pierre, Vincent. Et moi, je m'appelle Myriam, j'ai oublié de me présenter. Me présente, je m'appelle Myriam. Chagrin d'amour, évitez les belles.
chose, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dans nos fortunes, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur. Et le souvenir que j'en garde au cœur. Et le souvenir que j'en garde au cœur. Putain, j'ai fait la route, quoi. Non, on a oublié, on met 10 km pour venir nous voir en premier. Excusez-moi.